les pieds joints, prendre une position pour détendre le corps, calmer l'esprit et laisser aller la respiration. Les pieds écartés de la même largeur que les épaules, joindre les mains devant la poitrine et les frotter plusieurs fois afin de pratiquer un massage de celle-ci pour y amener la chaleur et y concentrer l'énergie. Être présent sur les zones que l'on masse, être concentré. Massage du visage. Massez le visage entièrement avec les mains en montant par l'intérieur et descendre par l'extérieur. Inspirez en montant, expirez en séparant les mains. Massez plusieurs fois. Ne pas trop appuyer. Massez une nouvelle fois les mains devant la poitrine. Le front associé à l'organe cœur. Massez le front sur un plan horizontal avec les paumes et les doigts. Les épaules relâchées. Sur un plan vertical, de l'intérieur vers l'extérieur avec la pulpe des doigts. De nouveau sur un plan horizontal, les mains posées sur le front, en cédant avec un mouvement de la tête de gauche à droite. Laissez glisser les doigts. Relâchez bien les épaules, les omoplates. Massez les mains devant la poitrine. La bouche associée à l'organe rate. Massez la bouche sur un plan vertical. Partez du haut de la joue et descendez jusqu'à la bouche. Placez les index au-dessus et en dessous de la bouche et effectuez le massage horizontalement. Inversez les doigts. Les index fixent au-dessus et les majeurs fixent en dessous de la bouche. Et effectue le massage en s'aidant d'un mouvement de la tête de gauche à droite. Massez le point Ronzon sous le nez, le petit creux, en faisant des cercles concentriques avec le bout du pouce. N'appuyez pas trop fort, c'est très sensible. Et relâchez bien. Les mains jointes, frottez les mains. Massage du nez associé à l'organe des poumons. Massez les ailes du nez avec les index et les majeurs joints verticalement. Entrecroisez les doigts
et frottez le bord interne des pouces, le méridien des poumons, pour y accumuler de la chaleur. Repliez les pouces en appui sur les index et massez à nouvelle fois les ailes du nez avec le bord interne des pouces. Avec la pointe des index, massez les points yin-xiang, numéro 20 du gros intestin, l'accueil des parfums, sur les sillons de part et d'autre de la base du nez en faisant des cercles concentrique avec les index. Ne pas appuyer trop fort. Le point très sensible. Frottez les mains devant la poitrine. Massage des yeux associé à l'organe foie. Posez le creux des paumes sur les yeux et restez un instant pour y laisser passer l'énergie, la chaleur. Laissez descendre les mains sur les paupières et les yeux sans trop appuyer. Massez les arcades sourcilières avec les index, les pouces en appui sur les tempes de l'intérieur vers l'extérieur, lissez. À l'extrémité des sourcils, massez le point Tsing Hu Kong 23 du triple réchauffeur. En faisant des cercles concentriques avec la pointe des index. N'appuyez pas trop fort. Massez en dessous des yeux de l'intérieur vers l'extérieur avec les index. Au coin interne des yeux avec la pointe des index, le point Jingming, numéro 1 de la vessie, en faisant des cercles concentriques avec la pointe des index, très légèrement. Massez les mains, nouvelle fois. Massage des oreilles, associé à l'organe des reins. Massez les oreilles entre les majeurs et les annulaires, verticalement. Les annulaires devant, les majeurs en arrière, frottez bien, massez bien, de haut en bas. Puis les index et majeurs, groupez, massez bien tout l'arrière des oreilles, verticalement. Le bord des oreilles, entre les pouces et les index, par petits pincements, jusqu'au lobe et tirez légèrement celui-ci, plusieurs fois, tout le contour des oreilles jusqu'au lobe.
Massez les oreilles sur un plan vertical avec la paume et les doigts. Puis sur un plan horizontal. Relâchez bien les bras, les épaules, les poignets. Massez les mains devant la poitrine. Massage du crâne, de la nuque et du cou. Peignez le cuir chevelu avec le bout des 10 doigts d'avant en arrière. Technique qui stimule l'énergie yang. De nombreux points sont localisés sur le crâne. Massez bien au-dessus, sur les côtés. Puis la nuque et le cou. En relâchant bien les épaules et les bras à chaque mouvement. Laissez glisser les doigts. Lâchez bien les épaules. Portez les doigts groupés sur l'oreiller de jade, le point Yuchen, numéro 9 du méridien de la vessie. Effectuez un mouvement de la tête de gauche à droite pour que les doigts frottent sur l'oreiller de jade. Puis placez les pouces en dessous sur les points Fenchi, numéro 20 du méridien de la vésicule biliaire, Fenchi, la porte du vent, et les masser en faisant des petits cercles concentriques. Ne pas appuyer trop fort. Malaxez la nuque avec la main droite. Relâchez le bras gauche le long du corps. Malaxez bien toute la partie de la nuque. Les cervicales. Relâchez le bras le long du corps. Puis malaxez avec la main gauche. Ouvrez le point Ruko, numéro 4 du méridien du gros intestin, et massez la gorge avec les deux mains jusqu'au point Tiantou, numéro 22 du méridien vaisseau conception, juste au-dessous de la trachée. Lissez sous le menton avec le dessus des doigts. Puis relâchez bien les épaules, les bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Massage du torse, des côtes et de l'abdomen et des reins par frottement avec les doigts et les paumes. Regroupez les trois doigts, croisez les mains sur la poitrine et massez sous les clavicules les trois principaux points Shofu, Qihu, Zongfu de l'intérieur vers l'extérieur sur un plan horizontal jusqu'au pli de l'épaule. Décollez bien les bras, relâchez bien les épaules. Descendez les mains jusqu'au tantien inférieur et massez celui-ci. Les mains bien en contact, les lao gong bien sur le bas-ventre. Frottez les côtes sur
sur un plan circulaire en montant par l'intérieur et en descendant par l'extérieur. Élargir le cercle, abdomen jusqu'à la poitrine, grand massage circulaire, inspirez, expirez. Fléchissez un peu les genoux, effacez toutes les lombes, le carré des lombes, relâchez bien, frottez le bas du dos, les reins, les lombes, le bas de la colonne, le coccyx, le sacrum. Et revenir en avant. Relâchez bien. Massez les mains une nouvelle fois. Deuxième phase, par percussion et tapotement avec les doigts et les paumes creuses. Main droite sur le point Chi Hu, main gauche sur le point Tapao. Le bout des doigts relié comme un bec. Changer de côté. Pas trop fort, très léger. Avec les paumes creuses, tapotez. Tapotez l'abdomen, la poitrine, les côtes par un massage circulaire en montant par l'intérieur et en descendant par l'extérieur. Puis tournez même technique au niveau des reins, des lombes. Le coccyx, le sacrum. Et revenir en avant. Puis en croisant les mains, la main droite sur l'épaule gauche, la main droite sous la partie des côtes, la main gauche sous la partie des côtes droite et tapoter. Puis changer de côté. Les poignets sont bien souples, les épaules relâchées. Relâchez bien les épaules, les bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Frottez à nouvelle fois les mains. Massage des épaules, des bras et des mains. Main droite sur l'épaule gauche, massez toute la coiffe de l'épaule gauche. La main gauche sur le coude droit, circulaire. Massez bien toute l'épaule, le trapèze, changez de côté. Massage des trois yin et des trois yang sur les membres supérieurs. Massez le bras gauche, yin et yang. Descendez jusqu'au bout des doigts, remontez sur l'épaule.
Changer de bras. Puis revenir sur le bras gauche et masser les quatre côtés des bras. Le yin, le yang, le bord interne du bras et le bord externe. Massage plus complet. Continuez yin, yang, bord interne, bord externe. Changez de bras. Lâchez bien les bras, les poignets, les doigts, massez les mains. Massez le dessus de la main sur un plan horizontal. Changez de main, massez. Puis le dessus des doigts, petit massage circulaire, changez. Étirez et lissez les doigts, 5 fois par doigt. Tirez, pas trop fort. Relâchez bien vos épaules, les omoplates. Changez de main. Pincez les extrémités des doigts à la base de l'ongle afin de stimuler les points ting. Une pression et une légère torsion sont appliquées simultanément. Frottez le dessus des doigts avec la pulpe du pouce.
entrecroiser les doigts et faire des rotations avec les poignets dans les deux sens. Relâchez bien les épaules, les bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Frottez les mains devant la poitrine. Massage des jambes. Les pieds écartés, même largeur que les épaules. Commencez sur le dessus des pieds et remontez par la face avant des jambes. Contournez sur le méridien de la ceinture d'Aimai et descendez face en arrière jusqu'aux pieds. En avant, Yin. Puis en arrière, Yang. Inspirez en montant, expirez en descendant. Les quatre côtés des jambes, en avant, en arrière, bord interne, bord externe. Yin, Yang, bord interne, bord externe. Tournez sur le méridien de la ceinture à chaque fois. Lâchez bien vers le bas le mouvement, les jambes restent droites si on peut. Massez la face interne des cuisses avec le tranchant des mains par tapotement, de l'aine jusqu'au genou. Fléchissez un peu les jambes. Les doigts regroupés en forme de bec, massez le point Susan Lee, 36 estomac par percussion. Avec les poings fermés, pas trop serrés, tapotez la face interne et externe des jambes. La cuisse, la jambe jusqu'au malléole et remontez. Changez de jambe. Les mains à la taille, levez la jambe droite par le genou et secouez la jambe en poussant le talon et la plante du pied vers le bas et secouez un peu le pied très relâché à partir de l'articulation sous les malléoles. Faire le même mouvement avec l'autre jambe, poussez bien vers le bas, secouez bien le pied à partir de l'articulation. Relâchez bien les épaules, les bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Massage des pieds en position
assise. Massez les points Yun Chuan, numéro 1 des reins, en faisant des cercles concentriques avec les pouces. Massez les malléoles externes avec les index et les majeurs, tout le contour de la malléole. Et avec les pouces, les malléoles internes. Dans les deux sens. Allongez la jambe droite. Rotation du pied et cheville dans les deux sens. Massez le cou du pied, le dessus des orteils. Tirez bien les orteils. Massez bien les orteils. Pliez les orteils vers l'avant puis vers l'arrière pour stimuler l'énergie originelle. Tapotez la plante du pied avec le poing fermé mais pas trop, un peu creux. Sous les orteils, toute la plante du pied, le talon. Relâchez la jambe, prenez l'autre pied. Rotation du pied et cheville dans les deux sens. Mobilisez bien l'articulation. Massez le cou du pied, le dessus du pied, les orteils, le dessus des orteils, mobilisez bien les orteils, tirez bien, lissez, tirez. Les orteils vers l'arrière, vers l'avant plusieurs fois. Tapotez avec le poing fermé toute la plante du pied, sous les orteils, jusqu'au talon. Position du lotus, conclure la pratique en position assise. Main gauche sur la main droite pour les dames et main droite sur la main gauche pour les messieurs, pour le yin et le yang. Respirez calmement,